Au cinéma, il y a un peu de tout. Bon, je sais, j'enfonce des énormes portes ouvertes parce que je sais que la plupart d'entre vous le savent, mais il est important de le rappeler pour comprendre à quel point le cinéma reste un des arts qui aujourd'hui est un des plus diversifiés possibles. Le comprendre dans le sens où au fond, de nombreux cinéastes, de nombreux genres, de nombreuses perspectives de création et de conception se mettent en place au cœur d'une œuvre, et au cœur de l'esprit et de la création, souvent passionnée, d'un métrage qui va alors déterminer à quel point soit un projet, soit un metteur en scène, va potentiellement se construire au gré de la création d'un long métrage, ou de bien plus. Car dans un certain contexte, que ce soit celui de la politique des auteurs ou que ce soit plus simplement celui de la création d'une œuvre, on a souvent tendance à simplement imaginer qu'il y a une idée, un créateur et une manière de faire. Ce qui serait oublié qu'au cœur de ça, il y a souvent beaucoup d'autres choses, que ce soit avant ou après la création du dit projet. Et en cela, j'aime le cinéma simplement parce que sous son premier aspect, une œuvre peut souvent donner lieu à bien plus que cela. Et ainsi, emporter le spectateur dans un torrent d'émotions bien plus immense que supposé. Et donc, l'auteur que l'on va évoquer ici et traverser, de manière plus ou moins exhaustive, est un cinéaste qui veut tout essayer. Et quand je dis bien tout, c'est tout. Et il veut surtout totalement bien le faire. Un auteur qui a commencé sous l'égide d'un comparse qui lui a littéralement ouvert les portes de possibilités immenses de création et de conception et qu'il a décidé de briser, de contorsionner, de retourner dans tous les sens afin de développer des métrages hors normes. Des œuvres que personnellement je ne peux m'empêcher de trouver fantastiques et dans lesquelles réside une passion profonde pour notre divertissement. Au cœur de son cinéma, cet auteur a fait de la comédie, a mis en scène des contes, a révolutionné la science-fiction et le fantastique, a développé de grands moments d'émotion. Bref, Robert Zemeckis est un génie. Un créateur de haute volée, un fantastique concepteur, développeur, réalisateur, mais avant tout un auteur de génie, aimant profondément divertir, faire jouir finalement le spectateur dans son fauteuil, en se servant du cinéma comme de l'outil ultime pour nous emporter dans ses rêves, dans ses imaginaires, parfois inspirés ou originaux. Et c'est cela qui me donne envie de crier haut et fort que Zemeckis, bien au-delà d'être un réalisateur culte, est un véritable génie et réinventeur. On a souvent tendance à citer son quatrième long métrage comme étant son premier vrai coup d'éclat. Personnellement, c'est son cinquième que j'ai envie de citer en premier. Car quand on est un enfant, et que l'on voit prendre vie sur une toile non seulement un univers de cinéma fourmillant de petits détails, avec un univers déjà bien développé, et qu'on y rajoute l'élément ultime, qui est celui de mettre du dessin animé au cœur de l'image réelle, on crée une œuvre de génie, mais en plus, on parvient surtout à mettre cela en forme de la meilleure manière possible, et c'est clairement ce qui s'est passé pour moi. Devant Qui veut la peau de Roger Rabbit, Robert Zemeckis a développé tout ce qui faisait le charme également d'un certain film avec Jim Carrey, cette sensation de voir une œuvre de cinéma à la fois pour les enfants, mais également qui se posait presque comme une incursion précoce dans le monde des adultes. Et personnellement, c'est cela qui fait que pour moi encore aujourd'hui, ce cinquième long métrage du cinéaste américain reste mon premier coup de cœur pour le metteur en scène et la première révélation de son génie qui ne fera que grandir par la suite des choses. C'est donc avec ce coup d'éclat que j'allais découvrir par la suite un auteur passionnant et passionné, mais surtout un auteur et un metteur en scène qui a envie de faire évoluer le cinéma. Zemeckis est un cinéaste passionnant en cela. Il ne cherche pas simplement à poser des œuvres qui pourraient sonner comme classiques ou comme simples. À chaque fois, il se donne un défi. Qu'il soit de l'ordre d'une petite scène, qu'il soit de l'ordre de l'immense pari technique, ou que ce soit même simplement dans une petite idée qui va emmener toute la création du métrage, il cherche à se lancer des défis et à les accomplir. Son cinéma est un terrain de jeu. Un terrain de jeu où un auteur ne demande qu'une seule chose au spectateur, d'accepter son postulat de base, pour ensuite lui proposer de l'embarquer dans un chemin peut-être étrange, peut-être loufoque, peut-être un poil excessif par instant, et cela beaucoup de spectateurs ont fini par lui reprocher, à tort, au fur et à mesure de l'avancée de sa carrière. Mais même si on peut se poser des questions sur le travail de Zemeckis, difficile de dire que son œuvre n'est pas extraordinaire en cela, et ne cherche quand même pas à amener quelques révolutions. Et ce genre de révolution, il a tendance à vouloir les amener même de manière très intime, et il sait le faire au travers d'œuvres folles, mais également au travers de futurs classiques. Dans un long métrage considéré comme un classique, unanimement salué lors de sa sortie, et considéré par tous comme l'un des meilleurs films de tous les temps, Zemeckis a choisi de placer une base simple, une évocation transcendante et émouvante de la vie, par le biais du parcours d'un homme, dans l'histoire moderne des États-Unis, en amenant une révolution technologique qui passera avant tout par le dramatique. Robert Zemeckis fait de Forrest Gump bien plus qu'une simple aventure humaine. Il en fait un véritable morceau de bravoure cinématographique avec son besoin de reconstituer la guerre du Vietnam, de replacer son personnage dans des grands moments de l'histoire, de jouer avec son handicap pour ne pas en faire un homme simplet, mais en faire un vrai héros des temps modernes. Un personnage ne faisant pas simplement que traverser l'histoire, mais en un sens parvenant à la réécrire de manière intelligente, de manière folle, et avec une passion que rarement on a vu aussi bien développée au cœur d'une œuvre de cinéma.
Et c'est cela qui rend pour moi ce moment de 7e art tout simplement unique, fou, qui passionne de bout en bout. Forrest Gump est une œuvre extraordinaire. Un long métrage qui traverse le spectateur, qui lui fait ressentir des choses complètement folles, à condition bien évidemment de se laisser porter par l'imaginaire et par la puissance finalement de l'univers de Robert Zemeckis. Ainsi se pose le travail de metteur en scène de Robert Zemeckis, comme la preuve évidente que le cinéma n'est pas simplement une manière de raconter une histoire et de la mettre en forme simplement, mais également de la transcender, de lui donner une forme, une force et une logique imparable qui prendra le spectateur aux tripes et ne le lâchera pas de bout en bout d'une mise en scène et d'une écriture qui le marquera. Pour certains, cela sonne simplement comme quelque chose de logique. Mais au fond, dans la culture cinématographique que l'on voit aujourd'hui, quand on pense à cette idée que le plus de réalisme possible dans le travail du visuel signifie une avancée cohérente et révolutionnaire des choses, voir des auteurs chercher à repousser cela dans une direction où l'imaginaire doit être le plus crédible et intense possible, semble finalement en complet désaccord avec le sens premier que l'on donne aujourd'hui à une œuvre de cinéma. Et des auteurs comme Robert Zemeckis sont essentiels pour nous rappeler que faire avancer le cinéma, c'est lui donner un sens, mais surtout une logique propre. Et au travers d'une œuvre que beaucoup considèrent comme mauvaise et qui a été fortement conspuée par sa laideur, j'aimerais vous faire comprendre qu'en fait, il a réussi à créer une œuvre révolutionnaire et qui a changé à jamais le regard qu'on a sur le 7e art. François Torel a déjà bien débroussaillé le chemin, mais au cœur d'une œuvre milieu des années 2000, Zemeckis a cherché à construire un monument de modernité où le visuel se devait d'être le plus impressionnant possible pour donner lieu à une œuvre de cinéma où tout serait possible et envisageable, où tout serait concevable et où aucune limite ne serait possible à la liberté de création et de conception d'une œuvre de 7e art. Si le Pôle Express fut un bon début, pour moi Beowulf est un morceau de cinéma brillant. À mi-chemin entre God of War et Excalibur, le metteur en scène donne tout ce qu'il a et fait tout ce qu'il veut, comme il le souhaite, avec une notion de l'épique et du dantesque tout simplement folle qui embarque le spectateur dans un torrent d'images qui peut sonner comme un poil daté aujourd'hui, mais qui sonne encore pour moi comme la révolution que j'ai vécue à sa sortie, et un morceau de 7e art qui ne laisse pas indifférent le spectateur. Face à une telle notion de l'épique, redimensionnée par un cinéaste qui ne veut pas simplement faire du divertissement, mais révolutionner le divertissement. Je sais, même encore aujourd'hui, le film est extrêmement critiqué, mais j'ai l'impression que, depuis maintenant plusieurs années, Robert Zemeckis se trouve souvent au cœur de ce genre de situation, comme ça a l'air d'être le cas avec son nouveau projet. Entouré de Guillermo del Toro et d'Alfonso Cuarón, le metteur en scène américain a souhaité mettre en scène une œuvre dans le pur esprit d'Halloween et cherchant presque à renouer avec un certain cinéma comme il a pu le faire à une époque avec La mort vous va si bien, mais en version enfant, pour une œuvre qui ne semble pas dénuée d'un certain charme à la Robert Zemeckis, même si comme d'habitude, il semble que beaucoup de gens soient passés sous le radar. Son cinéma a peut-être changé depuis Flight. Il ne cherche peut-être plus forcément à le révolutionner, mais peut-être avant tout à le transcender, pour lui donner une image qui lui semble être en adéquation avec son temps, avec les mentalités et avec la manière de concevoir le 7e art, démontrant bien, encore une fois, que Robert Zemeckis, aussi génialissime et charismatique, est avant tout un visionnaire qui cherche à comprendre le cinéma et son époque avant de lui donner une forme et un sens. Sens qui semble plus que jamais traverser le réalisateur vieillissant qu'est Robert Zemeckis, mais qui personnellement, moi, me touche encore et me permet de regarder à chacun de ses longs-métrages le cinéma d'un œil nouveau. Ce qui est quand même assez génial.